Salut, c'est Naoufel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le e-commerce. La première partie de la réponse, c'est tout simplement parce que j'en avais simplement marre de devoir me réveiller à une heure précise en fonction de mon réveil, en fonction des horaires à laquelle je dois travailler. Et ça, c'était pour moi une torture. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir voyager partout dans le monde, j'ai la chance de pouvoir partir et me réveiller à l'heure que j'ai envie, et grâce à mes business je génère de l'argent même lorsque je dors, et ça c'est une situation qui est vraiment formidable. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, puisque à la base j'étais salarié. Mon principal objectif était justement de trouver juste un CDI, finalement de pouvoir emprunter un peu d'argent pour pouvoir acheter mon premier appartement, ma première maison, m'installer et vivre un train-train quotidien type métro, boulot, dodo. C'est une vie qui pour moi aujourd'hui n'a pas de sens et dans laquelle je ne me retrouvais vraiment pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai commencé à m'intéresser au e-commerce, au dropshipping, pour pouvoir justement me libérer de tout ça. Et il faut savoir que au début, lorsque je me suis lancé, j'avais mon travail de 39 heures, je bossais toute la journée, je rentrais le soir et je bossais sur mes shops jusqu'à 23 heures. Je mangeais, je dormais et je recommençais le lendemain. C'était une routine comme ça pendant quelques temps. Grâce à ça, j'ai pu justement mettre en place mes business et j'ai pu mettre en place quelques boutiques qui ont commencé donc à générer suffisamment d'argent pour remplacer mon ancien salaire. Et j'ai pu tout simplement poser ma démission sur le bureau de mon patron et je suis tout simplement parti pour vivre la vie que je souhaitais. La principale raison pour laquelle on peut s'intéresser de se lancer dans le e-commerce, c'est tout simplement pour gagner une certaine liberté. Tu vois, là par exemple, je ne suis pas au bureau et pourtant mes boutiques continuent de tourner et je continue à faire de l'argent. Et la puissance justement d'Internet, c'est de pouvoir continuer à travailler partout dans le monde juste avec un ordinateur et une connexion à Internet. Donc pour ça, je prends juste mon ordinateur et je voyage dans le monde et je peux continuer à maîtriser mes ventes, à gérer mon entreprise, etc. juste avec ça. Et ça, c'est une liberté incroyable lorsqu'on souhaite se lancer sur Internet. Donc aujourd'hui, si tu es salarié, peut-être que tu es bloqué dans un train-train type métro, boulot, dodo et du coup, tu te sens un peu coincé là-dedans et tu souhaites te libérer de tout ça, laisse-moi te dire que pour toi aussi, c'est possible de pouvoir changer ça. Et au départ, quand je me suis lancé, j'aurais aimé qu'on me dise en fait que c'est clairement possible d'y arriver, même si aujourd'hui tu pars de zéro, même si aujourd'hui tu n'as pas les compétences nécessaires, même si aujourd'hui tu n'as pas les connaissances, même si tu n'as pas l'argent pour te lancer, etc. C'est quand même possible d'y arriver. Tout simplement, tu dois croire en toi et tu dois croire que c'est possible. Et j'espère que par cette vidéo, je suis en train de te donner justement cette croyance que pour toi aussi une autre réalité est possible. Il faut comprendre une chose, c'est que tout est entre tes mains. Si aujourd'hui tu as envie de faire quelque chose, il n'y a que toi qui peux apporter cette liberté. Il n'y a que toi qui peux créer l'opportunité de changer ça. Personne ne viendra le faire à ta place et personne ne viendra te prendre par la main pour t'emmener à là où tu souhaites aller. Il faut même dire le contraire, la majorité des gens vont te décourager, la majorité des gens vont te critiquer. Et même quand tu vas commencer à avoir du succès, les gens vont continuer à te montrer du doigt, ils vont continuer à t'enfoncer. Par nature, l'être humain n'est pas fait en fait pour aider l'autre et ça, c'est bien dommage. Mais au-delà de tout ça, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois compter que sur toi aujourd'hui. N'écoute pas ceux qui te disent « tu n'y arriveras pas », tes profs qui t'ont dit « tu ne réussiras pas », ta famille, tes amis qui peut-être ne croient pas réellement en toi, ne croient pas en ton projet, pas parce qu'ils te veulent du mal, c'est simplement qu'ils projettent leur propre peur sur toi. Bref, lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, comme moi je l'ai fait, finalement on est plutôt tout seul et même quand on commence à avoir quelques premiers résultats, l'inquiétude de ses proches continue de persister et voilà, ils projettent tout simplement leur peur et tout ça ne t'aide pas en fait et tu dois réussir à aller à l'encontre de tout ça pour justement te libérer finalement et construire ton propre avenir. Parfois, je me pose la question suivante. Le jour où je serai sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'aimerais me dire en fait? Est-ce que j'aimerais me dire « Ok,
j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas vécu la vie que je voulais, j'ai pas pris mon courage à deux mains. Voilà, il y a du monde autour de moi, c'est difficile de tourner cette vidéo parce que les gens me regardent, etc. Et c'est difficile pour moi qui suis voilà, gêné par cette situation, mais je le fais quand même parce que ça peut t'apporter à toi beaucoup de valeur. Et est-ce que je préfère mourir en me disant « Ok, j'ai pas fait à chaque fois, à chaque instant de ma vie où j'ai voulu faire quelque chose, je ne l'ai pas fait parce que j'étais gêné, parce que les gens pensaient des choses de moi et parce que les gens me jugeaient. » Est-ce que je veux mourir avec ces regrets-là ou est-ce que je veux mourir en étant heureux d'avoir fait toute ma vie ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire faire mon business, voyager dans le monde, voyager avec mes amis, profiter avec ma famille des bons moments quand je le souhaite et pas devoir dépendre d'un patron qui va m'imposer mes horaires, qui va m'imposer mes jours de vacances. C'est pour moi incroyable de devoir demander l'autorisation de prendre des jours pour aller en vacances. Et ça, quand on est entrepreneur, on n'a pas besoin de ça en fait. On dit au revoir à tout ça. Je me rappelle même parfois dans certains anciens boulots que j'ai fait, je devais demander l'autorisation d'aller pisser. Comment c'est possible en 2020 de devoir demander l'autorisation d'aller aux toilettes? Je ne sais pas. On est en France et on est dans un pays civilisé et on vit dans un monde où on est censé avoir des droits, les droits de l'homme, etc. En réalité, je pense même plus loin que ça, c'est que le salariat, c'est plus ou moins une forme d'esclavage moderne et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est inacceptable, en tout cas pour moi. Certaines personnes se trouvent très heureuses dans cet écosystème du salariat, etc. Si c'est ton cas, écoute, tant mieux pour toi, félicitations. Et à partir du moment où tu es heureux, c'est l'essentiel, c'est ce qui compte. Pour moi, ce n'était pas le cas, je n'étais pas heureux dans cette situation. Le jour où j'ai compris que je pouvais changer ça, j'ai tout mis en place, j'ai tout fait pour y arriver. Et je ne te dis pas que ça sera facile, d'accord? Tu vas passer par des moments très difficiles, tu vas devoir travailler dur, ne pas compter tes heures, risquer des investissements, investir plus que les autres, travailler plus que les autres pour réussir. Tu seras critiqué, certaines personnes ne comprendront vraiment pas ce que tu fais et ne chercheront qu'à te décourager. Tu devras te battre contre tout ça pour arriver à tes objectifs. Mais laisse-moi te dire que le chemin en vaut vraiment le coup parce que au bout du compte, tu seras tellement heureux d'avoir pris cette décision de devenir entrepreneur, de mettre de côté tout ça et d'avancer. Tu seras tellement heureux de l'avoir fait. Tu auras mérité en fait ta liberté et finalement, tu pourras dire fuck à tout ce qui ne te plaît pas et faire ce que tu as envie. Aujourd'hui, si je vais à un endroit, je ne sais pas, ma chambre d'hôtel ou mon Airbnb est annulé, je m'en fous, j'en prends un autre. Je rate quelque chose, je rate mon avion, c'est pas grave. Je prends l'avion suivant, j'ai le temps, je n'ai pas de patron, je peux prendre une journée de plus, c'est pas très grave. Et le fait de devoir repayer un billet supplémentaire, c'est pas très grave non plus, je peux le faire, je peux me le permettre. Donc ça, c'est vraiment génial. Du coup, on se libère finalement de toutes ces contraintes et je sais pas, je compte pas spécialement lorsque je sors, lorsque je vais manger, etc. Même si je fais attention, bien évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup parce que ce n'est pas moi. Si toi, tu aimes dépenser, flamber, etc., tu pourras le faire. Si ce n'est pas ton style, si tu préfères les voyages comme moi, voyager dans de super endroits, etc., et c'est là que tu vas vouloir investir ton argent, c'est là que tu l'investiras. Tu pourras faire ce que toi, tu as envie de faire. Mais pour ça, aujourd'hui, tu dois te donner les moyens d'y arriver. Si tu veux y arriver, tu dois te bouger le cul et tu dois commencer à créer ton propre business. Bien évidemment, je prêche pour ma paroisse et moi, je fais du e-commerce depuis 5 ans et ça fait 3 ans que j'en vis et que j'en vis très bien. Et j'adore ce type de business model parce que finalement, j'ai aucune contrainte et même mes clients, en fait, j'ai pas spécialement de contraintes parce que j'ai des personnes qui gèrent le service client, etc.
Finalement, c'est un des business models pour moi les plus intéressants en 2020 à lancer parce que tu peux commencer sans avoir de stock, sans devoir acheter en fait du stock. Et du coup, bah, tu peux commencer avec très peu d'argent. Tu as juste à avoir un budget pour la publicité et le marketing. Aujourd'hui, si tu ne connais pas très bien le e-commerce, tu peux te lancer dans ce qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, c'est juste le fait de vendre un produit que tu n'as pas en stock. Pour vendre un produit que tu n'as pas en stock, en fait, c'est très simple. Tu prends un produit qui est disponible chez ton fournisseur, tu le vends à un certain prix et puis tout ce que tu as à faire, c'est lorsque tu as fait ta vente et que tu as encaissé l'argent de ton client dans ton compte, avec cet argent-là, tu vas acheter le produit et puis tu vas le livrer du coup directement chez ton client. Ton client reçoit le produit, il n'y voit que du feu et du coup, tu as fait une vente sans avoir besoin d'acheter du stock. Et ça, c'est vraiment formidable parce que tu élimines tout le risque finalement qui est lié d'acheter du stock. Le problème principal lorsqu'on se lance dans le dropshipping, dans le e-commerce, pardon, avec l'ancien modèle, c'est qu'il fallait à l'époque acheter du stock. Il fallait investir 3000 euros pour créer une boutique. Aujourd'hui, tu as besoin de 29$ par mois pour créer ta boutique et c'est tout. Et après, c'est du budget publicitaire que tu dois allouer. Et ça, c'est à toi de décider ce que tu souhaites investir, d'accord? Et c'est tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'acheter 100 pièces, 300 pièces, de les faire venir de Chine, de faire du dédouanement, de payer des taxes, etc. Et pour commencer seulement à vendre, et peut-être que finalement ce produit ne se vendra pas, du coup tu vas entasser plein de cartons dans ton garage. Ça, c'est une situation que j'ai connue il y a 5 ans. Et ça, c'est, laisse-moi te dire que c'est nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est du e-commerce en dropshipping, te lancer et tu vas y arriver. Si tu souhaites en savoir plus sur le e-commerce, sur le dropshipping, etc., je t'invite à visualiser les autres vidéos qui se trouvent sur ma chaîne sur lesquelles bah, je parle plus de e-commerce, de dropshipping. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai pu partager un peu les raisons du pourquoi est-ce que moi je me suis lancé dans le e-commerce. Et finalement, j'espère que j'ai pu te transmettre un peu cette passion et en tout cas la force de croire que c'est possible aussi pour toi, peu importe où tu te trouves dans le monde, peu importe ta situation actuelle, peu importe ce que les autres pensent de toi, peu importe ce que ton prof pense de toi, peu importe ce que ton patron pense de toi ou même ta famille et tes proches. Tu es seul maître de ton avenir. C'est à toi de décider de ce que tu souhaites faire. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu souhaites le jour où tu seras sur ton lit de mort? Est-ce que tu souhaites mourir avec des regrets ou bien est-ce que tu souhaites vivre juste la vie qui te fait rêver? C'était tout pour moi. Ciao, ciao.